Elle m'avait pas de parents. Elle eut ses parents, mais il ne la fait pas connue. Si bien que la pauvre enfant, on l'a sûrement mal connue. Ils ont fait des cartes postales et aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'est tellement des crayons. Elle disait qu'aux gens de la rue, voulez-vous c'est triste quand même, pas reconnaître son enfant, hein. Et faut pas être physionomiste. Et il me semble que si j'en avais un, je le reconnaîtrais, à condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue Mélimontant, elle est allée son petit panier, pour attirer les clients, elle remet un peu son panier. Qui passait auprès de son panier, lui a pris tous ses crayons, alors elle s'est mise à crier. Les bouts des cartes postales, je n'ai plus de crayons, mais les gens choses banales, voulaient tous des crayons, quand elle criait dans la rue. Tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. Forcément, je promenais avec son panier à découvert. Vous pensez, la nuit, le vagabond, et ben, il est passé au pas de son panier, et puis, et lui a pris tous ses crayons. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'en vendait jamais, quand même. Un marchand de crayons en gros. Viens chez moi, mon enfant, je t'en ferai voir de beau. Je te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste d'abuser d'une inconnue. C'est vrai qu'elle était faible aussi. Alors. Vous pensez, ben, lui, le vagabond, il aidait le marchand, il aidait bien chez moi, mais il était un. Hein. Alors, ben, elle en a eu un enfant. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cet enfant, plus tard? Elle vendait les cartes postales et aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était le bon des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous mes crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. Merci beaucoup.